almost a pain myself. Comment la tuer? Ça va pas vraiment. Bon, dis, pas moi. Elle a balancé une bonne voiture. Une bonne voiture, ça l'a écrasé. Ça l'a écrasé. Il y a une servie qui s'appelle Rosalie aussi qui a décidé. Ça fait 8. Les deux. Moyen ça. Ok, la femme de son frère, son grand frère. Mm-hmm. Ça s'appelle Yvonne. Mm-hmm. Ça fait 9. Bon, moyen ça. C'est la même méthode. Le serpent ne peut pas tuer le tronçon. Ok. Donc, quand le tronçon est le monde, on en a un point de masse dans le diable au pied d'où on va. On les mange, on les mange. On les mange. Donc, elle a une confrérie. Oui. Ok, les membres de sa confrérie. Oui, nous sommes à groupe à quoi? Oui, nous sommes. Vous allez voir que le sorcier va jamais dire. Non, je viens. Parce que je suis en train de vous apprendre comment on fait les arrachés, les abdominaux. Vous allez voir pourquoi. Parce que là-bas, on te dit le jour où on t'a attrapé, tu dis pour toi seul. C'est comme ça. Il ne faut pas venir citer mon nom. C'est comment il m'a envoyé ici. Là, tu vas voir le sorcier, papa, je ne vais jamais dire. Le jour, il dit le nom des membres de sa complète, c'est fini. Ça brise encore les pattes. Le jour, elle ne rit pas là-bas. Elle est trop bien de la chasser. Parce qu'elle n'a pas secret. Donc, ça aide même le sorcier. Oui, allons-y. Il y a un monsieur qui s'appelle Tapé. Il y a un monsieur aussi qui s'appelle Mathurin. Moisson. Il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric. Voilà ça. On aime la terrain. Elle est jouée de rôle là-bas. On a mal écrit la main. Ma goutte de mal écrit la main. Moi, celui qui a assis dans mon neveu là. Comment il s'appelle? Alexandre. Elle a gâté la vie d'Alexandre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mal et noir. Mal non bon. Ok, c'est un jeu qui se débrouille, c'est un chauffeur. Voilà, elle a pris son habit pour amener ça en sorcellerie. Elle a fait quoi? Elle a pris quoi? Habit. Son habit, oui. Monsieur, regarde ici. C'est pas lui qui fait les avis, ok? Oui, elle a fait quoi? Elle a pris son avis. Oui. Voilà, pour amener ça dans leur contrôle. Elle a pris l'avis de... Du petit, comment elle s'appelle? Alexandre. Ouais. Comment elle s'est arrangée pour aller prendre l'avis d'Alexandre? Ça a joué dans le job, ça n'a pas vu. Ma vie, elle a joué. Bon, elle habite ensemble avec lui. Oui. Mm-hmm. Sans quelle occasion elle a récupéré la vie? Ça a joué dans le job. Oh, c'est une diamant, oui. Elle dit ça va pas être bien, la personne a mis. Mal et c'était pour quoi? Elle a pris son ami parce que quand il travaille, il ne lui donne pas l'argent.
Donc c'est, tu as gardé ça là-bas. Ma zone là, ma goudine. On peut ramener ça. Je vous explique. Le diable aime bien le contact. Parce que la vie, la sueur. La souffrance est une science. Regardez, ici, encore une fois, peut-être c'est pas trop développé, mais il y a une police scientifique. Quand les gens tuent une personne, on ne voit pas le coupable, en Europe c'est très développé, on essaie de voir les objets que la personne a touchés. Au travers du contact du doigt de la personne, il y a ce qu'on appelle l'empreinte digitale. On peut faire sortir l'image de la personne. Comme le jeune homme portait les habits, il y a le contact, sa peau, sa sueur. À partir de là, on peut prendre sa chance et le détruire. C'est pour ça que les sorciers demandent toujours, donne-moi l'argent. Et puis, il n'est pas que par une personne intermédiaire. Il va lui dire non, la main propre. Or, si quelqu'un te demande l'argent, vous dites, et puis donne-moi les sommes insignifiantes. 100 francs, tu vois que c'est rien. Donne-moi 100 francs. C'est 100 francs qu'il va prendre pour détruire ton argent. Lorsque c'est comme ça, tu donnes à une personne intermédiaire, tu pars, voilà, donc c'est fini. Tu as brûlé son truc. Et quand la personne demande un habit, tu demandes au gars la personne de porter, porte. Tu vois que sur le champ, la personne va refuser. Non, comme je suis ça, dit, mais faut essayer de voir si ça va être toi. Qui a discussion trop dit sorcier. Faut lâcher le mot sorcier. Donc elle a, vous voyez comme ils font souffrir les gens. Le monsieur là, il va tourner, mais en même temps, ils ont cassé son travail. Amen. Tant qu'il a une action qui ne se met pas dans sa vie, il sera difficile pour lui d'avoir même le bonheur, parce qu'il s'est caché. La vie, elle est claire, la vie, elle a déjà, c'est déjà gâté. Comme elle ne s'est pas réparé, il gâte. Il s'est détruit, il ne s'est pas restitué. Or, nous, dans notre ministère, c'est la restitution qui est importante. Le sorcier a détruit, mais pour restituer. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. À part lui, elle a gâté qui? Ah, bon, il m'a dit ça. Bon, il m'a dit. Ma grand-soeur qui est au dehors là-bas, Angéline. Bien. Comment elle a gâché quoi? Moi, il m'a dit, Bode. Ok. Elle a gâté son mariage. Comment elle a gâté le mariage de ça? Ça, il m'a dit. Oh, Julie. Ça, il m'a dit. 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 Elle a pris son pain. Elle a pris le pain d'Adam. C'est sa chose. Le pain. Oui. Comment elle s'est arrangée pour aller prendre le pain de. Sans eux, j'ai mis dehors le cul. Elle vivait avec elle, ensemble. Elle vivait avec elle. Et elle a pris son pain. Elle a pris son pain. À son issue. À son issue. À son issue. Et elle a détruit. Oui, oui. Son mariage. Et c'est comme ça que vous êtes séparés. Vous êtes levés matin, vous êtes séparés. Vous avez quitté votre foyer. Non, je vous demande. Le foyer s'est caché comme ça. Vous êtes levés matin, vous êtes partis. Et qu'est-ce qu'elle a vécu encore dans la vie de sa fille? Maligne, maladie seule. Elle a gâté son commerce. Où est la ville de commerce? La zone opérée. Père, il m'a dit, la zone.
Tu as vendu son commerce à une dame. On a offert un peu à mon oncle. Tu as vendu son sorcellerie. Ah, maman a dit moi. Maman a dit ma foi, tort par tort. Elle a vendu ça dans la main d'une autre qui s'appelle Dey. Tu as vendu la chose, tu veux. Elle a vendu sa chance. Comment ça arrangé par les ventes? Vous avez vu le troc? Elle vend la chance. En échange de quoi? Marouanyaman. Elle pas opère. Opère. Quoi opère Marouanyaman? Marouanyaman. Marouanyaman. Bon, c'est pas aider la une récompense d'argent là-bas. Oh. Il faut dire la vérité, on va te délivrer. Il t'a dit ça tout à l'heure dans le bureau là-bas. Quand tu as vendu la chambre de ta fille, on t'a pas donné Kojo pour embouter les gens. Tu vois pas là. Elle dit, c'est l'oubli. Si elle n'a pas oublié, elle va dire. Ma frère, c'est vrai. Si. La vie, laisse ça. On a comme ça, on ne peut pas sorcellerie aussi. Ouais. Si ses cheveux, t'en es montré là. Ça, là, on ne garde pas la vie de sa fille. Il veut montrer cheveux. C'est le symbole de sagesse. Donc, quand on lui dit donne, tu dis non. Tu as montré cheveux pour m'influencer, pourquoi? Tu as cheveux comme ça, lui, tu fais sorcellerie. Ta cheveux blanc, elle est sagesse. On va vous délivrer tout à l'heure. Il y a toute la vie à connaître. Tu vas revenir tout à l'heure, on va poser un acte prophétique de restitution. Ça, c'est important. Elle ne peut pas, tu vas lui demander, elle ne va jamais aller chercher. Mais là, qu'ils auront posé sur la vie de cette soeur et son frère, ça va ramener. Tu as gardé qui encore? Mon père qui m'en a dit seul. On a une grande soeur, elle est à Londres. Elle est à Londres, oui. Qu'est-ce qu'elle a gardé dans la vie de Genève? Mali qui m'en a dit, mon père. On va y aller. Elle a fait deux enfants, et après ces deux enfants, elle a mis un blocage. Comment elle a mis le blocage? Sans doute, on a mis un blocage. Mali. On va Oui, et surtout, tu as formé une boule à son ventre. Oui, boule. Et la boule, là, c'est quoi dans le ventre? Deux vagues, là, mais je n'ai même pas. Mal, ouais. Mal. Ah, maman. Mais c'est pas une termitière dedans dans le ventre. On a fui de poison, mon frère. C'est pas ça? Fui de poison, mon frère. Et du vide. Donc tu fais exprès, tu peux pas parler. Non, la vieille, il faut les appeler la vieille. La vieille, si tu es vieille, il faut changer. La vieille, elle dit pas aller garder tes enfants. Tu as fait quoi encore? Tu as gardé qui? Bonny Managison. Bonny Managison. C'est tout.
Non, il n'a pas Paul. Le papa de celui-ci. Après Paul. Oui, il est où? Il est à Abidjan. Oui. Donc tu filmes. Est-ce qu'on a bien été dit ça? On nous reproche toujours ça parce qu'on ne suit pas. Le papa. Oui, ah, oui. Il est lui, oui. Donc tu laisses lui. Son papa, oui. Oui. Man, il m'a dit, pas pour le dire. Il ne pas qu'il travaille. Comment ça fait? Sans autre, maman. Sans autre, maman, on va au Gondo. Sans autre, maman, on va au Gondo. Laisse m'expliquer ça. Elle dit, laisse ça. Ok, d'accord. Ça ne peut pas manger. Elle a pris sa chaussure. Bien compris. Et vous voulez envoyer la chaussure? Ma maman, papa. Oh, il faut marcher pour aller chercher le travail. Ok, tu as gardé qui encore? Mon nom est Gisson. Je suis là. Non, répète moi ce qu'il dit. Banana. Le 8 avril, à 9h45, il va faire un accident. Il va rester dedans. 9 jours de coma, il va mourir. C'est parce que tu as programmé. Dis-lui ça va te raconter. Banana. Mais qu'est-ce que tu as fait encore dans sa ville? Man, non, a plus et son enfant? Na good, na. Bien. Il faut prendre le téléphone. Bien, Dimitri. Combien? Oui. Tu as fait quoi? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est transformée en oiseau. Et quand ma petite allait à l'école, elle s'assit sur sa tête pour arriver son cerveau. Donc, la petite a commencé à pleurer et après, elle dit ça, elle s'est pu retrouver. Il fait du mal à les problèmes, la petite. C'est ça? Oui, c'est ça. On dit, c'est pas discerner le mal et du bien. Elle est turbulente à l'école, elle fait des trucs.
Vous voyez comme c'est dangereux. Elle quitte ici, elle va à Londres. Quand tu cherches visa, tu ne trouves pas. On dit, c'est égal, tu n'as pas de visa. Elle-même, elle a un visa. Elle a été, elle s'en va. Pourquoi dit comment elle s'est transformée pour aller jusqu'à sa soie? Comment elle est arrivée à voir la vie dans tout l'homme? On en a, ça me touche vraiment. Un gars, Diazo, ça me touche vraiment. Il dit à mon mari, vous êtes là. Un gars, vous Elle a dit, c'est la sorcellerie, elle a reconnu. Elle explique comment elle a pu la fille de Londres jusqu'à elle. Et d'ici jusqu'à Londres, comment elle a pu voir la fille et puis elle a enlevé son cerveau. Où elle a pris le cerveau? Où elle a envoyé ça? On a la parole là. Ok, c'est où elle habitait à Abidjan, c'est là qu'elle a enterré ça. C'était à quel point, c'est pourquoi? Mané, c'est quoi? Mané, c'est un mot, qu'est-ce que Mané, c'est un mot, qu'est-ce que Elle est là, en fait ça parce que elle dit moi je ne lui explique pas de l'argent. Donc pour que ça pour cacher. La cosia ziwa wo. La cosia ziwa wo. Mon la cosia ziwa wo. La cosia ziwa wo. Thank you.
La chose ne se règle pas dans la chair. La vie d'une Éphésienne, ce n'est ni contre la chair et le sang. Nous devons lutter. Nous devons lutter contre les esprits. Vous avez des villes, là? Nous allons combattre, nous allons détruire et procéder à la restitution. Or, la parole est une puissance. Elle va utiliser la parole. Tout ce qu'elle a fait, c'est au travers de la parole. C'est cette même parole qu'elle va utiliser pour parler, pour dire tout ce que j'ai fait, c'est vous. J'ai détruit. Et nous allons mettre l'onction d'huile, symbole de la présence de Dieu, pour aller récupérer la chance et ramener. Amen. Amen. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la restitution.
au moins deux bouteilles. Est-ce que la vieille est d'accord pour que ces personnes soient délivrées? Attends, on va te poser d'abord la question. Voilà. On ne va pas faire. Ok. Le voici. Non. Étape par étape. Allons-y. Le voici, pour t'adresser. Toi qui as pris sa chemise. On va aller faire la sorcellerie. Il faut parler. La vieille, non. Sa chemise, tu allais prendre pour aller faire sorcellerie là. Tu laisses tout. Tout ce qui a été fait. Tu as plein Dieu pour que sa chance, son travail revienne. Elle dit, la chemise qu'elle avait prise, que tu deviennes homme. Non. La chemise qu'elle a prise, puis elle est là, faire la chemise. On en a, il y a pas qui n'en a pas. Elle dit, là-haut, elle dit, vous ne m'en pas. Voilà, tu vas pas. Ça pratique tout ce qu'il est fait pour bloquer ta chance. Soit détruit. Il faut tout noir. C'est qu'il y a un jour, il n'y a pas la vie. Amen. Nous posons la prophétique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les gens le trahissent, détruisent tout le pouvoir des œuvres des ténèbres qui t'empêchaient d'avoir un emploi. Je proclame maintenant la restitution de toute cette grâce, de ton travail, de toute ta grâce, de ta chance. Au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Allons-y pour la fille. Je vais te montrer après comment je vais la bouteille. Je vais te montrer. Ok, elle dit, elle est située du masque.